Elle a envie de découvrir son père. Alors, elle, c'est un peu tard. Et pour François, c'est vraiment une mauvaise nouvelle en fait. Parce qu'il est tellement radin, il a pas du tout envie d'avoir une fille. Elle s'en rend pas du tout compte. Vous allez demander à rentrer chez moi. Oui. Au final, vous allez essayer. Au final, c'est là. Au final, vous allez essayer de me vendre. Vous allez essayer de me vendre une véranda, une cuisine équipée. Ça ne m'intéresse pas. Je suis sérieuse. Je suis votre fille. Bon, je vais essayer de vous le dire sans m'énerver. Votre truc là, je le connais. Vous allez demander à entrer chez moi, et puis au final, vous allez essayer de me vendre une véranda, une cuisine équipée. Ça ne m'intéresse pas, j'ai besoin de rien. Il fallait quelqu'un qui soit jeune et en même temps qui ait une épaisseur et une maturité de par le personnage qu'elle a à jouer. Noémie a ça, c'est-à-dire qu'elle a un physique qui fait très jeune, et en même temps, elle a à l'intérieur d'elle-même quelque chose de très mature et une vraie épaisseur de jeu. Et voilà, et puis c'est surtout aussi une très très bonne comédienne. Quand on dit de François Gauthier qu'il n'est pas méchant, il est juste malheureux, ça a beaucoup de sens. Il est seul, il est angoissé, il est malade en fait. C'est quoi tout ça? Non, c'est rien, t'inquiète. Je t'ai dit, les huissiers ont débarqué chez Cédric. Si on doit vivre ensemble, il va falloir respecter quelques règles. Hein. Ah bah oui, j'ai remarqué. Elle sait pas qu'il est radin, elle pense qu'il est dans l'humanitaire parce que sa mère lui a raconté ça toute son enfance. Donc elle a une admiration sans bornes pour lui. Radin quoi? Mon père? Radin?